Trouver le xylophone du seigneur Samin ferait certainement un sacré boucan. Il n'y a pas de doute. Mais je veux une quête qui reste dans toutes les mémoires. Une ultime aventure qui soit dédiée aux générations à venir. Je sais, mon cher ami, que tu peux me comprendre. Oh, bonjour, Gwendoline. Entre donc. Où est passé ton ami ? Eh bien, il est derrière toi. Il se réchauffe près du feu. Il n'y a personne. Ne t'inquiète pas, il reviendra. Il est parti comme il est venu, comme d'habitude. Grand-père, il faut qu'on parle. Bien sûr, ma chérie. Et de quoi donc ? De dragons ? De trésors ? D'amour, peut-être ? Il faut qu'on parle de ceci. Je vois. Approche. Je suis vraiment désolé. J'aurais dû t'en parler un peu plus tôt. Je ne suis pas prête à te perdre. Écoute-moi bien. Tu ne me perdras pas. Pas encore. Le miroir m'a promis une toute dernière aventure. Mais les docteurs, ils ont dit... Le miroir magique nous a-t-il déjà menti ? Je ferai ma dernière aventure. Quoi que peuvent en dire les docteurs. Bon. Et où se passera cette aventure ? Je n'ai pas encore choisi, mais ce sera grandiose, et ça entrera dans l'histoire. Je pensais à Sérénia, ou un voyage en famille à Avalon. Grand-père, tu peux même pas sortir de ton lit. Oh, bien sûr que si, je peux en sortir. Je garde juste mes forces. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi ? Je veux tout simplement vivre une nouvelle aventure en dehors de ces murs, avec toute ma famille. Non, c'est pas ça. J'arrive pas à comprendre pourquoi les docteurs ne peuvent pas te guérir. Il doit bien y avoir un fruit magique pour te soigner, ou un sort pour vivre plus longtemps. En fait, j'arrive pas à croire que tu souffres tout simplement de vieillesse. Assieds-toi. Il y a encore... quelques histoires que je voudrais te raconter. D'aussi loin que je me souvienne, l'aventure semblait toujours savoir où me trouver. Mais en vieillissant, c'est moi qui la cherchais de plus en plus. Mon chéri, est-ce bien raisonnable de courir derrière les ennuis à notre âge avancé ? Ma chère, mon vieux chapeau est abîmé, mais je ne suis pas prêt à le raccrocher. Je sais. Tant que tu seras en vie, tu essaieras de parfaire Daventry à tout prix. Mais à quoi bon travailler si dur si on ne peut jamais en profiter ? On n'est jamais allé regarder le soleil couchant au Jardin des Roses. Mais j'ai encore tant à faire, ma chérie. Je dois rester d'aplomb.
Je ne veux pas que mon héritage ressemble à celui du roi Edward. Fais comme tu veux. Je sais bien que je n'arriverai pas à te convaincre. J'aurais dû rester pour regarder ce coucher de soleil, mais l'aventure occupait tout mon esprit. Il y avait peut-être un trésor perdu à retrouver, ou une licorne à secourir. Oh ! Et avec un peu de chance, un monstre viendrait terroriser le royaume. Tu mérites de prendre le temps de profiter de tes réussites. J'avais toujours des rêves. L'âge n'est pas une excuse à la paresse. De quoi d'autre as-tu besoin, Graham ? Tu en as assez fait, chérie. Ne t'en va pas. Je t'ai tout dit et je n'ai rien à ajouter. J'ai l'impression que c'était hier que tu m'apprenais à faire voler ma flèche. La ville a toujours été un bon début pour les aventures. Je devrais peut-être commencer par là. Attends, tu n'oublierais pas... Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, non, rien. Pardon. Je voulais pas te couper. Amaya et moi
avons dégagé les épineux spiniféreux de cet endroit perdu et avons planté un jardin de roses à la place. Attends, mais qu'est-il arrivé aux grognax grognons? Avec leurs yeux violets, leurs pupilles bleues, leurs six pattes, leurs trois griffes et leur unique dent. Il a fallu les effriter. Ils gâchaient la jolie silhouette du château. J'en ai assez d'ouvrir cette porte pour lui. Il a intérêt à vite revenir. Allons, 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 Pilar, je ne sais pas si je le dirais comme ça. Il doit savoir que nous n'avons pas les pains au raisin. C'est le maillon faible. Je suis sûr qu'il va vite revenir. S'il connaît le mot de passe, on doit le laisser entrer. Je commence à douter de son implication envers... Après le retour d'Alexander, les trous des gobelins furent bouchés. Il faut qu'il apprenne à mieux gérer son temps. J'aimerais qu'Olfi arrête de bouger. Cette réunion a déjà trop de retard. Où est-ce qu'il disparaît tout le temps? S'il connaît le mot de passe, on doit le laisser entrer. Il faut qu'il apprenne à mieux gérer son temps. C'est le maillon faible. Il doit savoir que nous n'avons pas les pains au raisin. J'aimerais que... Il y a longtemps, si je me souviens correctement,
Ils ont transformé ce vieux lieu de rencontre en... un mémorial en l'honneur de Pilar et de Monsieur Waddles. Pilar s'est fait muter à Loup d'Or à l'été 1679. Et elle était très fâchée d'apprendre qu'il n'existait en fait aucune guilde des trolls de pont là-bas. Pauvre et affamée, elle se découvrit une nouvelle cause à défendre. Elle fonda une bonne œuvre dont la mission était de nourrir les trolls. Waddles a pris sa retraite quand je suis devenu roi. Il est resté vivre ici et a créé la plupart des tableaux et tapisseries qui sont dans le château. Il est finalement devenu le pont-levis qu'il avait toujours rêvé d'être. Les marches semblaient plus basses dans mon souvenir, quand je les franchissais 4 à 4. Ces marches semblaient plus basses dans mon souvenir, quand je les franchissais 4 à 4. Le tintement de cette cloche en cuivre me rappela mes jeunes années en tant qu'écuyer. Attends, grand-père. Oui, ma chérie. C'était pas une cloche. Oh ? C'était quoi, alors ? Une corne, tu te souviens ? Oh, c'est bien ça. Excuse donc mes petits trous de mémoire. Les flammes m'empêchaient de continuer. Ce n'était qu'un avant-goût pour attiser mon sens de l'énigme.
Ce n'est pas pour rien qu'on dit que fumer tue. Après le retour d'Alexander, les trous des gobelins furent bouchés. Est-ce que je me souviens bien? Nous avons transformé ce lieu en... une fontaine commémorative en l'honneur des gardes qui ont servi le royaume de Daventry. La fontaine était dédiée aux gardes qui avaient servi Daventry. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser à Larry chaque fois que je passais. Kael a continué pendant des années à se balader comme s'il tenait quelqu'un sur le dos. Continuons, si je reste ici, je vais me mettre à pleurer.
ils ont transformé l'endroit en... un bac à sable pour le plaisir de tous les futurs enfants de Daventry. Hey, pourquoi j'ai jamais joué dans ce bac à sable? Ton père était tellement effrayé que des blaireaux y fassent leurs petites affaires qu'il a toujours refusé que je t'y emmène. Ah, un objet providentiel à ajouter à mon inventaire. Mon aventure débutait sur les chapeaux de roue. Ils ont transformé l'endroit en une fontaine commémorative. Oh, l'eau, source de vie, nectar des dieux. Les flammes étaient éteintes. Mon voyage pouvait continuer. Ah, c'est mieux. Merci, roi Petit-Oie. Mais je t'en prie, mon ami. Hein? Attends une minute. Où est Olfi? Comment ça, ma petite chérie? Il est juste là. Olfi, le pont magique qui parle. Quoi? Attends un peu. Tu as raison. Olfi était un pont avec un troll sur le dos, c'est ça? Ah non, je veux dire un troll avec un pont sur le dos. C'est ça. Comment ton dos a bien pu prendre feu? Oh, je sais pas trop. Olfi faisait la sieste et puis ça s'est mis à gratter. C'est sûrement une inflammation. Un bain frais et deux bols de flocons d'avoine, et ça ira mieux. Ça a fait des merveilles sur moi. C'est sûr que tu fais pas tes 86 ans. C'est dommage parce que j'en ai 77. Oh, excuse-moi, sire. À 386 ans, Olfi n'a plus une aussi bonne mémoire. Je sais, tu me l'as déjà dit hier. Ah oui, c'est vrai. C'est fou comme le temps passe vite, hein? J'ai l'impression que c'était hier qu'on dansait la danse officielle de la guilde des trolls de pont. Que tous les chemins de Daventry étaient grands ouverts. J'espère juste que j'ai choisi la bonne voie. Mon aventure a fini par devenir un peu linéaire. Oh, ne me dis pas que c'est pour ça que tu as mis ton costume d'aventurier. C'était un plaisir pour Olfi de voir ton petit pont prendre racine et devenir le roi agréable et charitable. Et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Si tu as aimé mes précédents exploits, attends un peu de voir ce que je vais accomplir dans ma prochaine aventure.
J'étais impatient d'aller en ville. La place était sans doute pleine de gens ayant besoin d'un aventurier. Quelqu'un qui leur trouve des trésors ou des ingrédients rares. Ce jour-là, j'étais prêt à accepter n'importe quelle quête. Sauf que voilà, je n'arrivais plus à me souvenir quel était le chemin. Ah ! Où était la ville déjà ? Ma pauvre mémoire avait quelques difficultés à retrouver le chemin. Quel est cet endroit ? J'ai un doute. Je crois que je ne suis allé par là que plus tard. Faisons demi-tour. Pardon, je ne me souviens pas de tous les détails. Ne t'inquiète pas, ça me reviendra. Non. La ville n'était sûrement pas par là. Oh, pitié, non. Est-ce là le souvenir que je laisserai ? Je devais pénétrer dans les flammes avant que tout soit réduit en cendres. Même à mon âge, j'avais encore la flamme. Ton grand-père s'est perdu dans le feu de l'action. Oh.
cette histoire commence à ressembler à de longs fumages.